Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Héros et Compagnie. Ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas vus sur la chaîne. Les mini-racers Disney Cars sont enfin de retour avec une nouvelle vidéo. Moi, ces magnifiques petites voitures Cars m'ont vraiment manqué, j'espère qu'à vous aussi. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir de la pochette surprise. Et nous en avons en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et j'ai procédé d'une manière un peu différente aujourd'hui. J'ai compté sur ma chance. Je n'ai pas regardé les numéros qui sont derrière les pochettes. Je les ai pris à l'aveuglette en espérant de tomber sur un exemplaire que je n'ai pas encore. Alors, laquelle allons-nous ouvrir pour commencer? Tiens, celle-ci. Ça, c'est une pochette de la toute première série. Allez, voyons ce que le sort nous réserve. Alors, on va jeter un petit coup d'œil au fascicule pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ressemble une pochette surprise Mini Racer. Voici la liste des voitures à collectionner. Et de l'autre côté, nous avions les voitures mystères qui n'avaient pas encore été dévoilées à l'époque. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons dans cette première pochette? Suspense, suspense. Qu'y a-t-il dans ma main? Ah, il s'agit de Cal. Cal Weathers de l'équipe d'Inoko, le neveu du King. Malheureusement, je l'ai déjà. Bon, par contre, c'est pas grave, c'est toujours autant un plaisir d'ouvrir des pochettes Mini Racer, donc ça va. Ensuite, deuxième pochette, là, il s'agit de la deuxième ou de la troisième série. Je crois que c'est la troisième série, si je me souviens bien. Ouh là là, et là, nous avons un Mini Racer volant qui voulait s'échapper. Vous l'avez reconnu? Il s'agit de Smokey. Et elle est vraiment magnifique, celle-ci. Elle a beau être petite, franchement, elle est super détaillée. Et pour le prix de ces pochettes, vous avez vraiment une voiture de très bonne qualité. Je vous rappelle que normalement, une pochette Mini Racer coûte dans les 2,99€. Et ça, c'est la liste de la série 3. Voyons lesquelles il me manque. Alors, dans Thunder Hollow, il me manque le taxi ainsi que celui-ci et Taco, je crois aussi. Je crois que c'est Taco, lui. Ensuite, dans la série Radiator Springs, il me manque toujours Sergent, que j'arrive pas à trouver, ainsi que Flo. Elle est vraiment trop belle. De l'autre côté, dans les Racers, là par contre, je crois que je les ai tous, il me semble, oui. Et dans la série métallique, il me manque encore le fabuleux Hudson Hornet. Allez, si ça se trouve, avec un peu de chance, il se trouve dans l'une de ces pochettes. Alors, ici, nous avons... Suspense, suspense... Ah, je l'ai reconnu. Il y a du violet dans cette voiture. C'est un racer de nouvelle génération. Et son nom, c'est Daniel Zverves de l'équipe Octane Gain, le numéro 19. Et celui-ci, eh bien, je l'ai aussi. D'ailleurs, il est juste là. Ici, en version métallique. Je l'adore. C'est vraiment un superbe bleu électrique métallisé. Magnifique. Allez, s'il vous plaît, une voiture que je n'ai pas encore. Ah, je l'ai reconnu. Jackson Storm en édition métallisée. Elle est vraiment trop belle, celle-ci. Et malheureusement, elle aussi, eh bien, je l'ai déjà. Zut. Là, on revient sur une pochette de première génération. La série 1. Oh non, décidément, mais pas de chance. Sur les deux pochettes de série 1, je tombe deux fois sur Cal Weathers. Décidément, j'aurais peut-être pas dû tirer mes pochettes surprises à l'aveugle. J'ai l'impression que la chance n'est pas avec moi dans le tirage d'aujourd'hui. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai là? Ah, du vert. Ah, d'accord. Chick X.
Alors lui, ça me fait toujours plaisir de le retrouver. C'est un personnage que j'adore particulièrement dans Cars 1. Il me fait trop rire. Et la voiture est vraiment super bien réalisée. Allez, encore 4 pochettes et 4 chances de peut-être trouver une voiture que je n'ai pas encore dans ma collection. On croise les doigts, les copains. Oh là là, encore une voiture qui a voulu s'échapper. Eh, dis donc, reste avec moi, toi, même si je t'ai déjà Daniel Zvervez pour la 2e fois. Et lui, je dois au moins l'avoir, je sais pas, 3 ou 4 fois, je crois. Minimum. Ensuite, Jackson Storm, cette fois-ci en version traditionnelle, non métallique. Elle aussi, je l'ai déjà, elle est juste derrière, à côté de Mac. Bon, allez, les deux dernières. Oh, et encore un vol plané de voitures, cette fois-ci, il s'agissait de Flash McQueen, en édition métallisée. Superbe couleur pour Flash McQueen que voilà. Et elle est juste là. Encore un doublon donc. Bon allez. Ça, c'est la toute dernière pochette à ouvrir les gars. Attention, roulement de tambour. J'aimerais trop avoir Sergent Houflou, franchement. Et attention, ah, pas de chance. Zut, mauvaise pioche. Encore Jackson Storm en version métallisée. C'est une belle voiture, mais bon, je les ai déjà plusieurs fois celle-ci. Dommage. Voici donc tout ce que nous avons eu dans le tirage aujourd'hui. Nous avons eu Daniel Zvervez, Jackson Storm en métallique, Flash McQueen en métallique, encore un Jackson Storm en métallique, un Storm en normal, encore un Zvervez, deux fois Cal Weathers et Smokey, et pour finir, Chick X. Franchement, c'est de plus en plus difficile. C'est un peu comme les vignettes Panini. À la fin, quand vous avez presque tout, c'est hyper difficile d'avoir les derniers exemplaires. Et maintenant, il est temps de ranger toutes nos voitures dans Mac avec sa remorque spéciale pour les mini-racers. Voyons combien on arrive à en mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, et le petit dernier, c'est toujours le même, toujours celui qu'on attend, le 10e, Chick X. On peut donc en mettre 10 de chaque côté, soit 20 mini-racers en tout dans cette remorque de Mac. Il est temps pour Mac de fermer la remorque et de transporter tous ces mini-racers vers la prochaine course. Et tiens les amis, j'aimerais en profiter de cette vidéo pour faire un petit coucou à un de nos amis qui habite en Hongrie. Il s'agit de toi, Léo, qui a 4 ans et qui habite Pécs en Hongrie. Ton papa m'a dit que tu adorais les jouets Cars et que tu as même appris en partie le français grâce à ma chaîne. Ça me fait vraiment super plaisir, mon ami. J'espère que cette vidéo et que ces voitures t'ont plu. Merci pour ta fidélité, mon ami. Je te fais de gros bisous depuis la France. Quant à vous, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les commentaires, les pouces bleus et on se retrouve très très vite. Bye bye. Salut mon ami, pour t'abonner à ma chaîne, clique sur le bouton rouge qui se trouve sur ma page principale. Mais surtout, le plus important, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche que voici et ensuite de choisir toutes les notifications et d'enregistrer. Tu seras ainsi automatiquement informé lorsque je mettrai de nouvelles vidéos.